alaykoum, mes frères et sœurs. Nous continuons notre série sur le thème des califes de bonne guidée. Aujourd'hui, nous parlerons du quatrième calife, notre maître Ali ibn Abi Talib. Le calife bien guidé Ali était le père de Al-Hassan et de Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le cousin paternel et le gendre du prophète Mohammed, car le prophète l'avait marié à sa fille Fatima. Il a grandi dans la maison du prophète et a été le premier enfant à être entré en islam. Notre maître Ali était connu pour sa science et son courage. Il était le plus savant des compagnons. En effet, le messager de Allah a dit « Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha » ce qui a pour sens « Je suis la cité de science et Ali en est sa porte ». Ce hadith a été rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak. Notre maître Ali était de taille moyenne et avait de larges épaules. Il était beau et courageux. Des compagnons l'ont décrit comme un homme fort, ayant de la sagesse, de l'éloquence et parlant peu. C'était un homme de science détaché du bas monde. Il était détaché de la vie d'ici-bas. Il n'accordait d'importance ni au bien matériel ni à l'argent. C'est-à-dire que son cœur n'y était pas attaché. Le prophète Mohammed a demandé à Allah d'accorder à notre maître Ali de faire preuve d'ascétisme dans ce bas monde, c'est-à-dire de détachement. Notre maître Ali, que Allah l'agrée, était un calife juste et intelligent. Il faisait preuve d'une grande sagesse lorsqu'il jugeait dans les conflits entre les gens. Ali ibn Abi Talib est mort à l'âge de 63 ans. Tout comme le prophète Mohammed ainsi que le meilleur des compagnons, Abu Bakr. Il est mort après avoir reçu, comme les trois premiers califes, l'annonce de bonnes nouvelles du paradis et de sa félicité par le prophète Mohammed. Son califat a duré 4 ans et 9 mois. Ainsi, par cet homme vertueux, nous clôturons notre série de cours sur le calife bien guidé. Les compagnons ont pris le relais dans la diffusion de la science et l'ont poursuivi l'appel à l'islam à travers le monde. Que Allah les agrée tous et nous accorde des bénédictions par leur degré. À vendredi prochain pour un nouveau rappel vidéo donné par un petit musulman. Barakallahu fikum wa salam alaikum.